Demandons à Dieu. Demandons lui de nous inspirer des actes intérieurs qui vont, d'une certaine manière, remettre en route vers la vie ce qui a été abîmé. Nous pouvons reconnaître, par exemple, intérieurement l'existence et la place d'un membre de notre famille, accepter sa blessure, lui redonner son juste poids, rétablir une relation invisible, mais bien réelle. En cas d'avortement, par exemple, redonner sa place, un nom à l'enfant qui n'a pas vécu. Il s'agit là de formes de réparation que nous sommes seuls à connaître, mais nous pouvons avoir la certitude que quelque chose va alors se retisser dans l'invisible, même si nous ne voyons pas le fruit extérieur. Le bon larron a réparé sa vie entière par un total retournement du cœur, par une humble demande suppliante et confiante. Nous ne pouvons pas toujours demander expressément pardon à l'autre. Ce n'est parfois pas opportun. Mais nous sommes également assurés que lorsque nous faisons en nous-mêmes une demande de pardon à Dieu et à l'autre, même s'il est mort, un nœud se dénoue quelque part.